Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo découverte de Saints Row Gate Out of the Hell. Et j'ai mis à peu près. J'ai juste réglé vite fait les graphismes avant et on y va. C'est parti. On va laisser un. You like to kick ass at your own feet. On va prendre normal, hein. Parce que ben, j'ai pas joué au 4 de base. Alors, moi je le laisse comme ça, même si à chaque fois, normalement on est censé ne pas voir le dernier. Et on y va. Donc je connais pas du tout, donc je vais être vraiment un noob parce que le centro, le dernier que j'ai fait c'est le 3. Donc voilà. Mais bon, ça, voilà. J'avais envie de jouer au 4, peut-être que je le ferai après celui-là. Je me tais. Once upon a time, in a faraway land, there lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. How did this come to pass? Well, it all began at a very special birthday party for a very special young lady. Surprise! What is all this? It's your birthday, Kinsey. So? You've never been to a birthday party? No. Oh, like not even growing up? I went to the School of the Americas since kindergarten. We didn't really do birthday parties. But you celebrated Christmas? I don't have to explain myself to you. Oh, Kinsey, this is going to be so much fun. Xinjai made a cake. Jane Austen is here. We'll play some games. What sort of games? Trafficking with spirits? It's spooky and fun. It's a bunch of letters. It's tradition. Every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? We ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. How? Yeah, someone pushes the pointy thing to wherever they want. Wait, wait, wait. Can we go back to you and your slumber parties? No time. All right. Everyone put their hands on the cursor. Cursor? I feel the magic already. All right. Will the president slash god emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting married. Shut up, Matt. Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving yet. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving yet either. Neither am I. Jezebel. Who the fuck is this? Oh. Is that not normal? Where'd you get the board? I was going through Zinyak's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Alistair Crowley? Guys, I think it's laughing at us. Fuck this! I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. Ça marche bien comme ça. That's more like it. You think we can trust it? It's not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's gotta live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny. Are you serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? Yeah, I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. Alright. Ça suffit pour un. You know where my friend is? True to its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into hell. Enfin avoir un peu de gameplay.
Non, mais je pensais. Je vais être un peu perdu, moi, hein, vu que j'ai pas fait le 4. Donc, même si c'est un stand-alone, ça, j'ai vu que ça allait être tout le temps dans le noir. Hein. Enfin, voilà, c'est très darkness. Ça y est, Ultor et les Saints n'ont pas été ennemis en années. You really think he's responsible? You don't know him like I do. The boss put him through a window for a reason. The reason was the boss was kind of fucking crazy back then. That's a fair point. You know how much easier this would be if we just found a car? Faut voler une voiture, mais où? Wow. Oh non. Ouais, ça, ça sent le parachute ou je sais pas quoi. Hop là. On peut la prendre celle-là? Elle est en bel état. How are we gonna find the Ultor building? Biggest building down here, giant Ultor sign on it. I don't think this is a problem. I'll buy that. C'est graphiquement, c'est pas très beau. Je vais regarder pour voir si c'est vraiment au maximum. Ah mais non, je me disais ça a rechangé. Pardon, hein. Désolé. Ultra. Voilà. Ah, oui. Désolé. Mince, on a pris la. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu plus joli. Il fallait où je prends. Map. Alors. On est là, il faut qu'on aille là. Ouais. Let's go. Here we go. Ça fait bizarre qu'il y ait le pointeur pour tirer tout le temps hein, au milieu. Non, je sais pas. Hop. Voilà, moi. Après, voilà, le 3, Central 3, enfin, The Third, je crois qu'il s'appelait. J'ai rien bien aimé. D'accord, je regarde les touches un peu. Ouais, donc le 3, j'avais bien aimé. Vraiment. Et le 4, ça avait l'air de partir en cacahuète, comme on dit. Donc je l'ai pas appris. Même si j'aime bien les trucs de super-héros, un peu du genre prototype. Je le ferai peut-être un jour si celui-là me plaît, vous voyez. moi je suis le GPS, hein. Il y a peut-être des trucs plus rapides. Mais je conduis. Assez catastrophique ma conduite, hein. Désolé. Ah ouais, c'était là. On va par là. Oh là là, mais elle est rouillée la voiture. Hein. Fabuleux. Tout simplement fabuleux. Pour ceux qui connaissent la référence. Allez. Ça va défourailler là ou pas? Thank you. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. J'aime bien. Not even death could stop the enterprising Vogel, who wasted no time in setting up an Ultor branch in the bowels of hell. Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate mattered little to Johnny, who only cared where his friend was. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. I didn't take that bullshit. You expect me to believe you just happened to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me, but your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something?
The pieces all came together. The president had caused more chaos and destruction than any other in human history. Ça, c'est sûr. It was only natural that Satan would want them to marry his daughter. They needed a plan, and Johnny had one. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up. And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. It's pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. Satan had entrusted the day-to-day running of hell to 5 archdukes, and Dane knew how to find them all. But beyond that, not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power, and the Ultor mogul knew that the key to unseating Satan lay in gaining their aid. But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, Dane had one final gift. An artifact that he had spent fortunes on. Lucifer's cracked halo. This holy relic granted Johnny the majestic wings of the Morning Star. However, he still needed help in learning how to use them. Eh bien, ils sont vraiment dans la... Il a une seule histoire. Kill you to show a little excitement. You're about to experience angelic flight for Christ's sake. Dane. Someone needs a nap. Just collect some soul clusters and power up the halo. You'll be flying around in no time. Great. Now you should have just enough clusters to power up the halo. C'est vraiment. Je m'attendais à autre chose, hein, j'avoue, pour l'instant. Bon, c'est vraiment, c'est que le début. Ah. Ouais, on va voir. On peut faire les deux ou pas. Ouais. Nickel. Graphiquement, vraiment, ça fait vraiment très. Pas magnifique. Oh là, oh là, d'accord. Hop. Oh non, oh là. Ouh, j'ai failli rater. Don't worry, something looks too high. Just keep on jumping off the wall. Remember to charge your jumps if you want to get up the cliff faster. Hop là. Now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Well, in this case, you need to jump. Voilà, on est vraiment sur le tuto. Non, non, j'ai raté. Bravo. Ah, mais on peut rattraper, il suffit de faire ça. Ouais, on vole tout simplement. D'accord. Hop là. Don't worry, the rest of your body will follow. Mm-hmm. Hop là. D'accord. Là, je fais X. Hein. Hop. I put a shiny flap orb out in front of you. Collect the orb and your wings will flap to gain speed. D'accord. Non. Oh, oh là là, oh le crétin. Ah,
try flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. Ouais. Yeah. Oh, plein. The exact opposite of diving is climbing. Climbing will slow you down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can fly. Now try to reach the island up there. Allez, on y va. Hop là, j'ai failli me rater. Donc, là, vous devez trouver ça tout simple et tout ça. En même temps, c'est un tuto, mais moi, vu que j'ai pas fait le 4, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Stupid. Whoa. Hop là. Yeah, see you soon. Here's the deal. If you want some face time with Satan, you need to get his attention. Now Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Bon, est-ce que ça va se lancer un peu, un moment? Ok, donc voilà, il y a déjà plus d'intérêt de prendre des voitures. J'ai envie de visiter un peu, enfin de voir un peu comment est la ville. S'il nous laissait un peu. Chose là. Qu'est-ce que c'est ça? Wow. Ah, this feels good. Ouais. Voilà, je me suis raté. Mais. Ok, on va faire ça comme objectif. Voilà, je voulais le voir courir. Après c'est stylé les ailes, non ? Mais honnêtement, les textures sont vraiment pas magnifiques. Hein, c'est, après moi j'aime bien des jeux même quand ils sont pas très beaux, mais après c'est, on le savait. Hein, je sens que j'aime. Ah non. Ah. Allez. Bien. Fabuleux. Ça, je commence à peu près comprendre comment ça marche le vol. Il était temps, je vous l'accorde. Je suis un peu long à la détente des fois. Ça m'attire là. C'est... Hop là. Bon, c'est où? Allez, c'est là. Faire un looping? Ah non, on peut pas faire de looping.
I'm a pirate. Abandoned ship! We've been boarded! Après, la mise en scène, par contre, est vraiment sympa à chaque fois. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, je joue donc sur PC, mais avec la manette Xbox. La visée automatique, ça va. Pas trop compliqué. Et puis quand je dis ça, je rate tous mes trucs. Peut-être que je me dépêche, parce que le bateau est en train de s'abîmer là. Eh oui, hop là. Ah mais il est sur moi. Hop là. Quel idiot, j'avais rien compris. Il faut pas qu'il meure lui aussi, le capitaine. Hein. Hop là. Weapon you find inside may help with our little imp problem. Ouais. Hop là. Alors c'est vrai que j'ai pas fait le 4, donc là ce gameplay ça me fait surtout penser à Prototype. Ouh. Je sais pas comment je vais l'utiliser. On va voir ça. One more for the crew. Je ne sais pas du tout l'utiliser, c'est la catastrophe. Je comprends pas. Est-ce qu'il faut viser, tirer? Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça c'est pour récupérer les armes, on va garder ça du coup. Mais c'est pas bon là ce qui se passe. Ah, d'accord, il faut garder appuyé. Moi j'ai essayé de faire des tirs un peu. Attends. Ah, ça arrive. Hein. Nouvelle vague. D'accord, ouais. J'ai enfin compris. Ils sont pas loin, ils sont tous tués, ouais voilà. C'est un peu cheaté. Peut-être qu'il vaut mieux ça, attention, il s'est attaqué je crois le capitaine en vite. Donc là, en fait il suffit que je fasse. Voilà. J'ai mis les sous-titres, hein, quoi, puis de toute façon, en anglais, je préfère avoir les sous-titres. Saint Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boom resulted in the coffers of hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. Bien, bien. Ah ouais, la mise en scène est vraiment très très sympa. Ça met dans l'ambiance. C'est n'importe quoi, hein, ça c'est sûr. Ça l'est de plus en plus, ça qui est dommage. Enfin, pour ma part, après, il y en a qui aiment bien, je pense. Mais... D'accord. On verra ça après. D'accord.
I read in his Interpol office. Oui, ça se fait. Where the president is being kept. Evidently, they've been trapped in some sort of soul prison inside Satan's palace. Breaking in is an impossibility. Après, c'est sûr, c'est comme l'enfer, donc. Normal que la ville soit pas super agréable. Mais bon. Enfin, si c'est tout le temps comme ça le jeu. Je crois que j'avais compris que dans le 4, même si j'y ai pas joué, je m'étais intéressé dessus. Et c'est à la fin qu'on pouvait un peu mettre le beau temps, etc., la journée. Et j'ai peur que ce soit un peu la même chose avec ce standalone. Et bon, moi ça me dérange pas de jouer un peu le soir, le noir, voilà, la nuit. Mais. Life is good. Yeah. Mais voilà, c'est pouvoir avoir la journée aussi, c'est quand même chouette, je trouve. Et, Alors, est-ce que c'est une sorte de cache-misère aussi, un peu hein? Mais. Oh là. Calmez-vous, les gars. Je vais essayer de prendre la voiture. Hop là. Oh. Ah, je fais n'importe quoi, je connais pas du tout les touches. Hein. Oh là, je joue mal, très très mal. Désolé. Et j'ai que ça comme arme. J'en ai assez haut pour voir. Ouais. On va prendre ça. Vous voyez au moins quelques armes en plus. Ah, celle-là déjà c'est mieux. Hop là, normal. Oh là. Ouais, le gameplay va être sympa. J'aime bien le gameplay de Prototype. Alors ce sera moins d'infiltration que Prototype, je pense. Plus bourrin. C'est quoi qui me tire dessus et ma vie qui descend. Ouais, enfin, je vais mourir. Hein. Bon, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Ah, c'est de la vis là. Ouais. Voilà, ça va mieux. Match pas. Je pense pas assez à me servir du de l'autolock en fait. Ah non, je suis mort. Non, ben voilà. Ça conclut parfaitement cette vidéo découverte, au moins comme ça. Bon, c'est pas que c'est dur, hein, c'est vraiment que je suis mauvais, j'ai pas fait attention, voilà. Bon, ça a l'air. Je dirais que la trame narrative commence bien. Ça a l'air intéressant, ça a l'air bien raconté, voilà, la mise en scène est chouette. Graphiquement, j'ai l'impression que ça n'a pas évolué depuis le 3. C'est limite les mêmes graphismes depuis le 3. Et puis c'est vraiment, ça part en cacahuète, comme j'ai dit au début, c'est... Bon, il y en a qui veulent ça, hein, sinon ils continueraient pas dans ce style-là. Moi j'avoue que je préférais... le côté vraiment gang un peu décalé, un GTA-like, proche d'un GTA quand même. Moi, le jeu, honnêtement, par exemple, le Saints Row 3, je l'ai préféré à GTA 4 ou GTA 5, donc dans son style, je trouve qu'il était bon. Mais là, je vais le faire. Hein, voilà, ça a l'air sympa, le gameplay a l'air sympa, mais... Enfin voilà.
Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo découverte. Voilà, si vous êtes intéressé par le jeu, mais vous en saurez peut-être un peu plus maintenant. Mais ça s'annonce comme très proche de Saints Row 4. Voilà. Après, à vous de voir. Hein. Honnêtement, je vais faire celui-là, mais j'attends vraiment qu'il retourne aux sources. Quoi. Oula, ça pète. Je savais même pas que j'avais ces couteaux. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on finit sur quelque chose de magnifique. Interdit au moins de 18 ans, bien sûr. Voilà. Et bien, à la prochaine pour un autre jeu, je pense. Ça m'étonnerait que ce soit sur celui-là, même si on ne sait jamais. Allez, ciao!